Donc salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Moto. Aujourd'hui, on va vous présenter les silencieux de chez Zarde pour la Royal Enfield Interceptor 650 ou Continental GT. C'est des silencieux qui vont sur les deux motos. Donc c'est des silencieux qui sont vendus par paire. Et il y a un modèle homologué et un modèle racing. Donc on vous met le lien forcément dans la description de ce produit si ça vous intéresse. Déjà pour aller voir le prix. Et aussi, il y a un prix forcément différent pour l'homologué et un prix différent pour le modèle non homologué. Donc Lionel est affairé à un démontage de du silencieux. Et on va vous montrer comment monter déjà le silencieux. On va ensuite vous montrer le rendu sur la moto. Et on va vous faire écouter le son du des silencieux Zarde de monter dessus. Donc là, on est sur la version homologuée. A savoir que la version non homologuée va faire un peu plus de bruit. Mais en fait, la version homologuée a le catalyseur déjà dedans. Donc c'est pour ça la seule différence qu'il va y avoir. C'est par rapport au catalyseur. Donc on a déjà une différence de poids qui est assez significative. On n'a pas le poids en tête des produits. Les silencieux d'origine sont extrêmement lourds déjà. Et les silencieux Zarde sont quand même nettement plus légers. Hein. Là, sur les silencieux Zarde, on est sur de l'inox brossé. Donc forcément, c'est déjà moins lourd que les silencieux en acier qu'on peut avoir d'origine. Voici le silencieux. Voilà, c'est beau, c'est nettement plus léger. On n'a pas de balance, ça c'est con. On aurait pu tester avec une balance pour vous parler du poids, mais c'est quand même bien bien différent. Donc les silencieux sont équipés d'une patte de fixation, forcément. On a un DB Killer ici, et on a le catalyseur qui est de ce côté, donc dans l'entrée. Et dans la sortie, on a le DB Killer. C'est plug and play, ça va venir se monter directement, donc on vous montre ça tout de suite. Là, on est sur un son d'origine, un silencieux d'origine, forcément, il y a catalyseur. Voilà pour le son d'origine. Ça reste feutré, mais ouais, ça chante quand même mieux. Hein. Ah, ça chante bien, mais à savoir, les DB Killers sont installés dessus. Et c'est des DB Killers qui peuvent s'enlever. Vous avez un serre-pips pour enlever les DB Killers, du coup, ça va bien plus chanter. Voilà, on va pas s'amuser à les démonter, parce que on va pas s'amuser à les remonter derrière, parce que la moto est à présent terminée et elle va retrouver son client dans quelques heures. Donc voilà, alors on va pas s'amuser à démonter tout ça. Ouais, ça... Ça chante bien. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on a dans le carton? On a les deux silencieux. On a... Les deux colliers. Les deux colliers de serrage. On a le certificat d'homologation pour ceux qui le sont. En tout cas, ceux-là, c'est le modèle homologué, ceux que vous avez entendu. Et on a les DB Killers qui sont intégrés directement dessus, forcément, et qui sont démontables si vous voulez faire un petit peu plus de bruit. Mais du coup, ça casse l'homologation des silencieux, mais vous pouvez les remonter facilement derrière, donc il n'y a aucun souci. Montre en main. Ouais, temps de montage, ouais, parce que ça reste assez impressionnant. Démontage, remontage, 10 minutes, un quart d'heure si vous avez... Si vous êtes tout seul, ouais, et que c'est la première fois. Il faut une clé de 10 et une clé de 12. Allez. Ouais, ouais. Tout le monde a ça. La clé de 12, on la cherche tout le temps. Non, mais voilà, ouais, c'est 10 minutes, un quart d'heure, grand max, même si vous n'avez jamais fait ça de votre vie. Ouais. Si vous êtes complètement néophyte dans le milieu de la mécanique, c'est hyper accessible. Donc... il faut surtout pas hésiter, il faut surtout pas avoir peur de ça et pas penser qu'il faut aller dans un garage spécialisé pour monter ce genre d'accessoires parce que ça se fait très bien tout seul. Et qu'est-ce qu'on a à dire de plus? On n'est pas obligé de modifier la cartographie
Hop, ça bouge tout seul. On n'est pas obligé de modifier la cartographie de la moto aussi, très important. Mm. Vous n'êtes pas obligé non plus de monter un filtre à air sport non plus dessus, même si c'est recommandé. C'est toujours recommandé d'avoir ça. Un truc à savoir toutefois, si vous montez, c'est silencieux. Faites tourner la moto sans la faire accélérer pendant 10 minutes. Vous la laissez, vous la démarrez, vous la laissez tourner 10 minutes. Le calculateur va se rééquilibrer un petit peu. Il ne fait pas grand-chose, mais ça permet au moins d'être optimum au niveau des réglages. Voilà, c'est la seule chose qu'on va vous conseiller à faire, en tout cas. Et voilà. Et puis voilà, c'est ça. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Hein, oui, écrivez-nous un commentaire ou alors voilà. Vous nous envoyez un mail directement à la boîte mail qui s'affiche dans la description de cette vidéo, je vais y arriver. En tout cas, ça fait partie des produits avec les amortisseurs le plus simple à changer, le plus accessible. Et qui change radicalement la moto. Parce que là, vous faites aussi bien plus plaisir à rouler, vous emmerdez pas le monde parce que ça reste largement dans les normes. Par contre, vous faites plaisir avec le bruit, franchement. Ouais, et puis il y a des petits pétarades quand on relâche l'accélérateur qui sont sympas, donc ouais, faut surtout pas hésiter. Et c'est fabrication italienne aussi, j'ai oublié de le dire. Vous trouverez directement sur notre shop, il y a le lien dans la description de la vidéo. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, et puis à vous dire à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettez-nous un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça nous fera bien plaisir. Et donc c'était Lionel, qu'on voit pas très souvent, mais on va essayer de le voir un peu plus souvent. Et puis Florian, moi, de French Moto. À très bientôt, ciao ciao, ciao.